Bon alors, l'entente Comtal-Aunay, ça marche comment depuis le début de la saison pour le président de Comtal-Palange? Alors déjà, c'était très agréable pour nous. Depuis qu'on est rentré à Aunay, c'est que du bonheur quoi, pour nos gamins, pour nos coachs aussi, parce qu'on a trouvé une énorme structure, un gros groupe qui encadre nos gamins, qui n'ont pas fait de différence surtout, qui ont bien intégré tous nos gamins d'Agen et de Gage. Et je vous dis, c'est que du bonheur pour nous. Quoi. Qu'est-ce qui a poussé le Comtal-Palange à se rapprocher avec Aunay le Château? Quel a été l'objectif un petit peu? En premier lieu, on est parti de la situation qu'on avait avec ces Bazac. Les choses sont faites, on a préféré partir de notre côté, et puis on s'est rapproché d'Aunay, étant des clubs les plus près de chez nous. Et surtout, beaucoup de joueurs d'Agen en senior UFCA jouaient à Aunay. Donc ça a été logique de demander nous à Aunay s'ils voulaient bien nous prendre. Le souhait, le désir pour l'avenir, pour le président de Comtal? De continuer cette entente, parce que ça profite énormément à nos enfants. Que nous, on soit toujours à l'écoute d'Aunay, s'ils ont besoin de choses qui nous... Je pense qu'ils n'hésitent pas, Monsieur Frick est là-dessus une grosse communication. Et puis ça continue surtout, et que nos gamins continuent à progresser, parce que c'est le but quoi.